Hello tout le monde, c'est MLDG, on se retrouve pour l'épisode 8 de The Legend of Zelda, A Link Between Worlds, et je suis à peu près de la caméra. Bref, alors, on s'est arrêté ici, on avait acheté la baguette des sables, et maintenant on retourne dans l'Hyrule. Quoique j'aurais pu faire quelques petites choses en Hyrule, mais on verra ça plus tard. Ok, donc ça c'est une région que nous n'avons pas visitée encore dans l'Hyrule. On va voir qu'est-ce qu'il y a dans ma maison. On ira activer la girouette juste après. Oh, mais y a rien, y a juste un coffre ici qu'on va aller s'empresser d'aller récupérer. Mais avant, on va changer d'objet, hop, avec la sélection rapide. Yeah. On va activer la girouette, ce sera de bonne chose. Nope. Si je prends les bombes, c'est tout simplement pour ça. Ici, il y a un mur fissuré. Donc, hop, bombe. Yeah. On a pété le mur et on va pouvoir entrer dans la maison. Récupérer le contenu du coffre. Et un contenu assez important. Et oui, un flacon. Ça m'en fait 4. Et dans le jeu, il y en a 5. Donc il m'en manque 1. Tout de suite, maintenant, on va récupérer le Tigorno. Qui se trouve juste là. Ok. Et maintenant, on va sortir par ici. Passage secret. Ok. Alors, dans ce passage secret, c'est une sorte de d'énigme puzzle, comme vous pouvez l'entendre. Vous allez voir. Mon frangin et moi, on réquisitionne ce trésor. Et à moins que tu saches courir méga vite, tu ne peux rien y faire. Donc en fin de compte, regardez. Voilà. Donc ça va assez vite, sauf qu'il y a aussi celui-là là-bas. Donc du coup, on va faire. Comme ça, on court et on passe. Sauf que celui-ci, ça va être différent, parce que celui-ci, il va y avoir un virage. Donc je vais faire comme ça. Poser une bombe et pas besoin de courir, on y va tranquillement. Hop, la bombe a pété entre temps, ce qui fait que ça a réactivé ça. Tranquille. Et là, on va faire la même chose. Poser une bombe. Voilà. La bombe a repété. Ce qui fait que je peux passer ici. Et donc, je peux récupérer le trésor. Très facile. Et 300 rubis, c'est toujours très très bon à prendre. Sacré point de vitesse. Sacré point de vitesse. Merci bien, on se casse de là. Dans Link to the Past, ici, il y avait un gros caillou. Et quand on pétait ce gros caillou-là, on avait une fontaine aux fées. Un gros caillou comme celui-là. Et d'ailleurs, en dessous, il y a un tigorno qu'on ne peut pas atteindre, tout simplement parce qu'on n'a pas les gants qu'il faut. On n'est pas assez puissant pour l'instant. On va descendre. J'ai plein de câbles sous les bras. C'est assez génial. Alors là, on va faire quelque chose de super chiant. Et qu'il faut... casse-toi, toi. Qu'il faut absolument faire pour faire le 100%. Et à mon avis, il y aura du montage. Et j'espère juste que je vais pas y rester 3 heures. C'est ceci. C'est un jeu de baseball. Mais avant d'aller plus loin, il y a un Tigorno juste là. On va le récupérer. Oh, 5 rubis. Yeah. Ok. Salut l'ami. Ici, c'est le terrain d'Octoball. C'est 50 rubis la partie. Balle en jeu. Ouais, c'est ce que je voulais entendre. On va te lancer 30 balles, t'es prêt? Donc là, le but, ça va être de toucher les bocales en or. Alors, je vais essayer de faire une partie. Ok, raté. Le but, c'est d'essayer de toucher les bocales en or le plus possible pour avoir le plus de rubis. Raté. C'est quand même vachement dur de jouer à ça. Par contre, plus vous tapez tôt sur la balle, plus elle ira à droite. Plus vous tapez tard, plus elle ira à gauche. Et vous pouvez, comme vous pouvez voir sur l'écran du bas, ajuster la position pour atteindre ce... Ah, c'est chiant. Et quand il y a des corbeaux, vite, il faut les atteindre parce que 20 rubis, c'est pas négociable. Et le but, pour avoir le quart de cœur d'ici, c'est de faire 100 rubis. Et c'est assez chaud. À chaque fois qu'on va toucher un crabe, les pots vont revenir. Vous voyez, je galère à récupérer celui-là à gauche, là. Un coup c'est trop tôt, un coup c'est trop tard. Vous voyez? C'est juste incroyable ce truc là. Non! Oh, je vais m'énerver! J'y arrive pas. Et à chaque fois qu'il y en a un ici, j'y arrive pas. Les autres un peu ailleurs, je peux y arriver, mais alors lui. Oh, mais je veux pas te toucher toi! Voilà. Raté! Et ces câbles ça m'énerve là. Ça y est, le jeu commence à m'énerver. Parce que ça, je vais y rester 3 heures, je le sais. Je le sais. J'ai commencé, il était 4 minutes. Sur mon enregistrement. Donc du coup, je vais vous faire du montage jusqu'à ce qu'on arrive
à atteindre 100 rubis. Et la partie c'est 50 rubis, donc je pense que je vais avoir assez. Donc on est parti pour une bonne série de montages à la con. Oh là là, la pression qui redescend, vous imaginez même pas à quel point, quoi. Oh. Attends une seconde, j'ai bien un truc pour toi. J'ai un truc bien pour toi. Et voilà, voici ta récompense pour avoir franchi la barre des 100 rubis. Et un fragment de cœur. Désolé si je n'exprime pas autant de joie que possible, mais là, ça fait une demi-heure que je joue à ce jeu stupide. J'ai plus rien à te donner, mais faut pas que ça t'empêche de revenir jouer quand tu veux. Non mais, hé, excusez-moi pour les petits et les grands qui me regardent, mais voilà ce que je lui dis, moi, ce petit bonhomme. Bon, je vais faire une pause ici comme le jeu le préconise, et on se retrouve tout de suite après. Bon, on se retrouve. Donc, je venais de terminer ce jeu débile, hein, pour avoir le fragment de cœur que je voulais. Maintenant que ça c'est fait, on va explorer un petit peu plus le rouge. Ah. Déjà vers le bas, il y a un portail qui va se cacher juste là. Ah, juste avant. Ah bah non, là-haut, je ne peux pas l'avoir tout de suite, c'est pas grave. On va emprunter cette faille. Et grâce à cette faille, ne me demandez pas pourquoi, on se retrouve en hauteur. Donc en dessous ici, il y a un tigorneau, on ira le récupérer après. Et d'ailleurs, on va aller voir la mère des tigorneaux, ça va être très important pour ça. Ok, ici, c'est un autre jeu type casse-tête ou énigme. Il suffit de prendre un poulet et de descendre jusqu'à atteindre les 100 rubis. Et on va le refaire jusqu'à ce qu'on récupère les... Parce que là, il y a 50 et il y a 20 rubis. Ah ! Raté ! Voilà. Donc ça va être aussi un petit peu chiant, mais quand même moins chiant que le jeu de baseball, parce que le jeu de baseball... ça va quoi, ça va. Allez, on se concentre juste un tout petit peu. On se concentre. Oui, 100 rubis dans la poche. Dégage. Non, mais non, mais non. Vous pouvez pas me laisser descendre, non. Trop dur. Bon, hop, direction là-bas. 50 rubis. Tranquillement, on attend, on y arrive, Ok, 50 rubis. Et on va récupérer les 20 rubis et ensuite on va y aller parce que bon, 5 rubis et les rubis verts qui est en bas, c'est pas que je m'en fous, mais je m'en fous quand même un peu. Et les rubis, c'est très important, comme vous avez pu le voir avec l'avio, hein, vu que les objets il faut les acheter, c'est quand même vachement précieux les rubis dans ce jeu. Et le mec il est parti parce qu'il a vu que j'avais récupéré les 100 rubis, donc il s'est barré. Très bien. Ok, maintenant on va descendre. Et on va repasser par ce portail. Ok, et juste là, on va utiliser notre ami le grappin. Yes! Pour récupérer le coffre. 100 rubis encore, et ça fait plaisir. Et pour récupérer ce tigorneau, eh bien, on va réutiliser le même chemin. On va faire la même chose. On va retourner en Hyrule pour revenir en Hyrule. Pour pouvoir... bah, récupérer ce tigorneau tout bêtement. Hop. Ok. Ah. Du coup, je suis tellement resté longtemps sur le jeu de baseball que je ne sais plus vraiment exactement qu'est-ce qu'on doit faire dans cet épisode. Bon, j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer. Comme cette grosse pierre, on va pouvoir la détruire là. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire maintenant. Tant que j'y pense. Et il y avait encore quelques quarts de cœur que je pouvais récupérer. Qu'on ira chercher après. Alors, c'est dans cette maison que ça se passe.
Yo, yo! Yo, man! Tu es en radio! Yo. Trop bad, man! J'ai rien à te vendre, yo! Sauf une grosse fleur bombe, man! Dans le jardin, yo! Wesh! Je peux te la prêter, man! Mais c'est pas gratos, yo! Tu payes une fois, man! Pour un usage illimité, yo! Super pratique, man! Mais des fois ça pète, yo! Tu veux que je t'en parle, man? Carrément, yo! La fleur dans le jardin, man, en fait, c'est une bombe de ouf, yo! Tu la touches là avec A, man, elle te suit partout, yo! Et les rochers énormes, man, elles t'en font des confettis, yo! Putain, ils répètent tout le temps la même chose, c'est chiant! Mais fais pas de boulettes, man! Tu la frappes et elle pète, yo! Boum, boum, boum! Ok? Fais gaffe à toi, man, regarde où tu vas, yo! Elle pousse qu'ici, man. Y en a pas deux comme elle, yo. Si t'as 10, man, c'est quand tu veux, yo. Eh ben, écoute, ça m'intéresse. Elle pousse qu'ici, man. Y en a pas deux comme elle, yo. Si t'as 10... Ouais, je connais ça. Grosse fleur, man. C'est de la bombe, yo. Tu la veux, man. Trop, mais trop, yo. Elle est dans le jardin, man. Fais-en ce que tu veux, yo. T'inquiète, Ginette, man. Pas la peine de te priver, yo. Même si elle explose, man, elle repousse tout le temps, yo. Ok. Et maintenant, je vais arrêter de dire man et yo parce que je crois que j'ai eu ma dose. On va voir comment ça pète. Belle explosion. Hein. Tant qu'on y pense, on récupère ce petit gorneau. Et d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je récupère ce petit gorneau, j'ai la console qui freeze un tout petit peu. Mais ça, c'était déjà le cas dans ma partie perso aussi. Hein. Oh, tu es de retour. Non, mais hey. C'était coincé derrière les barrières aussi. Alors on va monter. Faut faire gaffe aussi parce que si les ennemis le touchent, elle pète. Hein. Hop. On va la faire péter là parce qu'il y a une grotte. Mais dans la grotte, on va pas y aller parce que dans cette grotte là, il y a une fontaine aux fées où il faut donner des rubis. Mais il faut donner 3000 rubis. Et je n'ai pas 3000 rubis. Et avant de lui donner 3000 rubis, on va d'abord en collecter pas mal pour pouvoir s'en servir personnellement nous. Hein. Même si elle nous donne un objet assez sympa. Allez, on va prendre la bombe. On a pu voir en bas, il y avait... Une grotte. Une grosse fissure. Hop là. Yeah. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Ok. Oh, un coffre. 100 rubis. Oui. Et ça, c'est good. C'est toujours bon d'avoir des rubis en plus. Et je vais reprendre la grosse bombe. Oui, parce qu'il y a un autre endroit où on va devoir la faire péter. J'espère juste que je vais pouvoir le faire sans qu'elle me pète dans les pattes parce qu'il y a pas mal d'ennemis dans le coin où je vais aller. On va voir. Déjà ici, on va... Oh, bah, très bien, il y a l'abeille. Hop. Bon, l'abeille peut toucher la bombe, ça fait rien. Non, tu touches pas la bombe. Moi, t'es 20 rubis. On va monter. Dégage. Voilà. Des cornes de monstre. Non. J'ai vu un monstre arriver derrière. Non, quel boulet. J'ai tapé la bombe parce que je voulais récupérer le rubis. Bon. On va aller rechercher la bombe. Écoutez, hein. Y'a que ça à faire. Aïe. Ça, c'est du temps perdu. Dommage. Ok, viens là. C'est quand même sympa qu'ils ont repris cette musique là. Cette musique là elle est quand même mythique. Bon, ça dégage là-bas. Parce que bon, même si c'est pas le chemin qu'il faut que je prenne, je préfère tuer les monstres comme ça, y'a pas de problème. Mais ça c'est chiant par contre, elle bloque le chemin. Allez, viens là. Good. Là, ça bouge. Voilà, et on va éviter de donner des coups d'épée pour récupérer les loots des ennemis. C'est pas grave, si tu me touches, tu fais super mal, toi. Oh, vite. Ok, ici, faut faire gaffe, il y a du crabe. Non. Non, oh, purée. Je vais y arriver, oui ou mince. On va la rechercher. Aïe. Cet épisode, je vous le dis, moi, il va m'énerver vite, fait bien fait. Hein. Me dis pas que je vais perdre tout de suite maintenant, là. J'ai le doigt qui glisse sur le joystick, ça va pas. Hein. Allez. Bon. Est-ce qu'on va y arriver, oui ou merde? Voilà, il suffit d'être vulgaire pour être compris. De non. Cœur.
ça m'énerve ça, le doigt qui glisse sur le joystick, ça. Ok, cœur, c'est bien, je récupère quelques cœurs. Même si c'est vraiment pas le but de cet épisode. Bon, en même temps, en tuant les monstres, là, je gagne 20 rubis à chaque fois, c'est pas plus mal, hein. Allez, cette fois, c'est la bonne, je le sens. Même si le chemin, je crois qu'on avait fait un tout petit peu plus de la moitié, mais bon. Allez, viens là. Cette grosse bombe, pareil, elle me fait rappeler à la bombe qu'on devait placer. Attends, je vais prendre d'autres objets. À la bombe qu'on devait placer... non, je vais garder mes objets, c'est très bien. Qu'on devait placer à la pyramide de Ganon. Allez, dégage. Bon, ça, je peux le péter, c'est pas un problème. Ok. On y va, tu les regardes pas, tout va bien. Ok. Non! C'est vraiment relou ça. Ok, vas-y, viens, viens, viens par là. Arrête de glisser le doigt. Voilà, c'est en bas qu'il faut la mettre la bombe. Sauf que, comme vous pouvez le voir. Dégage! Ok, c'est bon, vas-y, viens ici, viens ici, viens ici. Oh, vas-y, pète un bon coup! Oui! On y est arrivé! Oh la vache! Combien de temps on a mis pour faire ça? Oui, c'est pour un quart de cœur. Un fragment. Oh, et puis merde, quart de cœur et fragment, c'est pareil. Hein. Ici, 100 rubis pour Bibi. Et là, 300 rubis pour Papa. Oui, ça fait plaisir. Ok, allez, cassos. On va récupérer quelques tigorneaux. D'ailleurs, on va ouvrir le passage pour aller au prochain donjon. Même si on va pas y aller tout de suite. Mais dégage toi. Eh oh, tu t'es pris pour qui? Ok, un tigorneau. Merci bien. Ensuite, ça, ça dégage. Ça dégage. Ça dégage. Ah, je... ah tiens, il y a un tigorneau là, dans l'eau. Hop. Voilà. Tac, 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 tac. On va ouvrir un passage ici, même si c'est pas celui-ci qu'il faut ouvrir. On va l'ouvrir, comme ça c'est fait. Voilà. On va continuer par là-bas. D'ailleurs, on va retourner dans le village de Corico vite fait. Voilà. Parce qu'il manquait un tigorneau qu'on n'avait pas récupéré, qu'on va récupérer maintenant. Alors, on va vérifier si c'est bien ça. Ouais. Hop là, on va récupérer la baguette des sables. Aller récupérer ce tigorneau qui manque. Vous avez vu, il y a un petit peu de sable sur le dans le la cour derrière. Comme ça, vous allez voir le pouvoir de la baguette des sables. Ouah, montagne de sable. Allez, on se casse. Et le dernier tigorneau de la région. C'est cool. Ce qui fait que maintenant, on peut voir. Et on va pas voir longtemps parce que j'ai pris une pièce. C'est cool. Il y a moins de lumière sur mon écran, je suis désolé. Donc du coup, on va repartir direction chez moi. Allez, hop. Tu parles plus, c'est bien. Ok. Non, je ne veux pas sauvegarder. Je sais que ça fait un moment que je joue. Ouais, parce que j'ai fait une petite pause après avoir joué au baseball, mais j'ai juste appuyé sur start, coupé l'enregistrement et relancé tout de suite derrière. C'est pour avoir un bon timing, on va dire, pour faire un épisode pas trop long. Meurs, meurs. Ok. Alors ici il y a une grotte, on va y aller. Et on va reconnaître peut-être quelqu'un. Ah ah. Oh oh. Qui va là? C'est la voleuse. Mais t'es... t'es le garçon de la dernière fois. Tu te souviens de moi? Oh la petite voleuse. J'ai réussi à m'enfuir du village, de justesse. Je pouvais plus rester là-bas. Tu m'as bien aidé la dernière fois. Tu peux prendre ce qu'il y a dans le coffre là-bas. C'est aussi un truc que j'ai chapardé, mais bon, je suis une voleuse après tout. Allez, on va prendre son contenu. 100 rubis, c'est bon ça. Ça reste entre nous. Oui, ça restera entre nous, y a pas de souci. Allez, direction le prochain donjon sans y aller. Parce qu'on va juste débloquer le passage pour le prochain épisode. Bouge, bouge, bouge. Alors... il faudra que je... aïe. Il faudra que je réutilise aussi la grosse bombe parce que juste en dessous il y a une grosse pierre. On va pouvoir péter avec la grosse bombe pour faire échapper de la flotte.
Non, mais c'est pas ce donjon là que je vais faire juste après. Hein. Non, je ne veux pas faire de pause, laisse-moi tranquille. J'ai juste débloqué la girouette pour être tranquille. Aïe, aïe. Ok, alors il me semble que par là-bas je ne peux pas y aller. Hein. Non, je ne peux pas y aller, donc il faut que je retourne en Hyrule. Et ça c'est une erreur bête de ma part. C'est pas grave. Retournons en Hyrule, alors. C'est incroyable comment mon pouce glisse sur le joystick. Je sais pas si vous, ça vous le fait sur la 3DS normale, hein, pas la 3DS XL. Sur la 3DS XL, je crois pas avoir de soucis. Mais alors sur la 3DS, putain, mon pouce là, c'est un peu agaçant. Un peu. Bon, ça sera là, tu vas rentrer chez toi, t'es pas chez toi ici. Hein. Ok, vas-y, viens. Oh non, mais fais pas ça aussi. Ici, il y a une grotte avec quelqu'un qui nous dit des conneries, donc j'irai pas le voir parce que j'ai pas envie. Il me raconte sa vie. Ah tiens, il y a un coffre ici, il faudrait que je le récupère aussi. Il me raconte sa vie par rapport au fait qu'il faut avoir un fruit pour s'enfuir des donjons. On va récupérer le coffre tout de suite, comme ça ce sera fait. Ça j'avais complètement zappé. Ça doit être des rubis. Hein. Je crois que c'est 50 rubis de souvenirs. Ah non, 100 rubis. Je me trompe. Et 100 rubis, c'est bon. 2593 rubis. Et ça, ça fait plaisir. Ça dégage. Voilà, merci. Une petite grotte. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose d'intéressant à l'intérieur. Oui, c'est juste une fée qui redonne de la vie. Et vu qu'on est à fond au niveau de la vie, il n'y a pas de souci. On va pas aller la voir. Nous, on va prendre ce passage pour aller en Lorule. Et on va avoir le droit à un petit speech de Hilda, la princesse de Lorule. Hero Link, ce désert est une terre où la vie n'a pas sa place. Tu y trouveras un palais. Un sage doit sûrement t'y attendre. Je sens ce mystérieux pouvoir propre au sage. Tu auras besoin d'un objet qui te permet de contrôler le sable. On l'a déjà. C'est justement pour ça que j'ai fait ce donjon-là au premier. N'oublie pas, c'est moi, Hilda, de Lorule. Ok, ma petite. Ok, une autre énigme. Bonjour, qui je suis? Un chasseur de trésors. Ou devrais-je dire le chasseur de trésors attiré de la région. Attitré de la région. Bon, autant te le dire tout de suite, en fait, je suis un vrai pro. Me dis pas que tu cherches le trésor toi aussi. Ne le prends pas mal, mais t'as aucune chance. C'est qu'il n'y a pas la porte. C'est qu'il n'est pas à la portée de tout le monde, celui-là. Si tu veux tout savoir, je ne peux pas l'obtenir à moins de maîtriser à la fois le sable et le vent. Rien que ça. Tu comprends maintenant? C'est rien de personnel, petit. Laisse donc faire les professionnels, ça vaudra mieux. Ah ouais, tu veux te la jouer comme ça, mon pote. Bon, je vais te montrer c'est qui le pro. On va d'abord activer toutes ces interrupteurs. Hop, hop. C'est de l'autre côté. Ok. T'inquiète pas que moi je sais maîtriser le vent et le sable en même temps. Ok. Et le dernier. Voilà. Donc ça va activer ceci. Ce qui va me permettre d'atterrir. Alors, juste là. C'était une erreur. Non! On va faire ça comme ça. Ok. Oh bien! Magnifique lancé! Voilà, ici on sera peut-être mieux. Voilà, on est mieux par là. Ensuite, il va y avoir un autre interrupteur. De l'autre côté. Voilà. Et avant de prendre ce courant d'air, on va repasser par là-bas. Et avec la baguette des sables, on va utiliser ça comme ceci. Et vite, on retourne là-bas. Un petit coup de vent. Yeah! Et le trésor est juste là. 300 rubis! 300 fucking rubis! Ça, c'est bon, ça. Parce que putain, 300 rubis, ça fait plaisir. Le seul petit souci, c'est que je ne sais pas contrôler le sable. Le vent non plus d'ailleurs. Oups. C'est cool, mais moi je l'ai eu ton trésor. C'est toi le minable, c'est moi le maître. Bon, bref. Cas à part, vas-y, tire. Oh, vas-y, dégage. Allez, tire. Allez, ça bouge. Bon, lui il m'explique juste comment me défendre contre ces bestioles. Hein, mais je le sais déjà. Donc pas la peine de me le dire.
Alors par ici, il va y avoir une girouette qu'on va activer. Comme ceci, comme cela. Nope. Et nous allons faire ceci. Nous allons récupérer le tigre. Voilà. Et nous allons passer rapidement en Nirule. Ok. Voilà, nous sommes arrivés en Nirule. Et il me semble qu'il y a un tigre quelque part par là. Ah d'ailleurs, un truc super marrant, regardez. Ils sont en slip. Ils sont en slip. Allez, sors de là, mon petit. Bah alors, en fin de compte, ce sont des humanoïdes. Alors, le tigre, je ne sais pas trop où il est. Il est quelque part par ici, ça je le sais. Ah, bah il est là, je l'ai déjà fait sortir. Je suis tellement barbare que bon. Ok. Bon, il faut monter. Hop, hop. Ça c'est fait. Au niveau du time, on est juste. Ah, non, dégage. On va passer par là. Hop. Cool. Et ici, on va utiliser une petite bombe. Oh yeah! On va prendre le portail. Hop! Et un quart de cœur. Il m'en reste encore un à récupérer. Et justement, on va aller récupérer le dernier. Après. J'allais dire maintenant, mais non, on va faire encore un petit quelque chose. On va débloquer la girouette de ce monde-là. Enfin, de cette zone-là, mais en Hyrule. Parce qu'on ne peut pas y accéder autrement que par là. Ouais. Comme ça, ce sera fait au niveau de la girouette. Il me semble qu'elle est par là-bas. J'entends un petit bonhomme là. T'es où? T'es où? T'es là-haut? Dégage. Où est-ce qu'il est? Je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Est-ce qu'il est dans le sable? Je sais plus s'il est dans le sable ou pas. Mais... voilà, puissant! C'est pas grave, touchez-moi, il n'y a pas de problème. Vous ne faites pas trop mal. Donc, voilà quoi. D'accord, des vautours, il y en a. Bon, vas-y, viens. Viens toi aussi. Ok, on, comme ça on les calme un peu parce que là il commence à devenir un peu chiant. Bon, le tigorneau il est où? Ouais, je l'entends un peu plus vers la droite. Vers la gauche, pardon. Ouais, bah je crois qu'on peut pas le débloquer tout de suite, hein, la girouette ici. Bon, c'est pas grave. Est-ce qu'il y a encore un truc à faire en bas? Peut-être par là. Non, par là, c'est juste pour... bah écoute, on va récupérer ça. Hop. Nope. Dégagez. Dégagez, c'est bon. Nine. Ah, c'est pas bien. Il y a une grotte là-bas, j'aimerais bien aller voir ce qu'il y a dans cette grotte. Ok. Ok, dans cette grotte, voyons voir qu'est-ce qu'il y a. Des fées. Ah, des fées. Je vais en récupérer une d'ailleurs, et juste après, on va aller se rendre au village Cocorico pour échanger mes abeilles. Parce que ça, c'est une chose que j'aurais dû faire depuis longtemps. Qu'on va faire tout de suite. Alors, village Cocorico. Et ensuite, j'avais dit qu'on allait... Oui, récupérer le dernier quart de cœur. Qui en soit pas très compliqué à avoir. Normalement, là, on devrait récupérer 100 rubis, parce qu'on ramène 2 abeilles. Voilà, merci. Je te reparle encore. Et merci bien. Ok, maintenant, on se casse de là. Ok, et rien que pour vous faire plaisir, on va retourner voir la grosse dame qui fait des bisous. Parce que c'est le portail le plus proche pour aller en le roule. Bonjour. Oui. Témoigne-moi ton affection. Oh, le bisou, le bisou. Sans commentaire. Ok.
Hop, et on est reparti pour le roule. Ok. Ah, y en a des choses à faire dans ce Zelda. Ok. On va sortir du village. Voilà. Tac, tac. Tadam. Une abeille. Non, viens là. Viens là. Viens là. Viens là. On va la récupérer quand même. C'est toujours 50 rubis qu'on récupère comme ça dans notre filet. Hein. Voilà, il y a un autre jeu ici pour récupérer des rubis, on va pas se priver. T'as 30 secondes pour récupérer un max de rubis dans cette zone. Et donc lui, il va falloir... Ouais, déjà ça coûte cher pour y jouer, mais bon, ça va, on a la masse de rubis. Et on va récupérer un maximum de rubis et on va essayer d'aller le voir avant 2 secondes. Allez. Waouh. C'est bien. Aussi, hein, voilà. Bouge. Il y a un tigorneau ici d'ailleurs, il faudrait que je pense à le récupérer. J'ai même pas compté dans ma tête comment il s'est fait. Non, vas-y, vas-y. Ok. Je pense que ça va être bon. Ouais. Vas-y. Ok, voilà le résultat. Oh, il me restait 4 secondes 75. Bon, du coup, on va pouvoir y rejouer. Bon, j'aurais perdu que 10 rubis dans l'histoire, c'est pas grave. Ouais. Eh bien, je reviens. Au moins, on aurait récupéré le tigorneau, c'est bien. Ça m'aura coûté 10 rubis, mais bon. En fin de compte, si vous voulez, j'ai calculé le temps qu'il fallait par rapport au son de la musique. Et normalement, si je me tais, je devrais pouvoir réussir. Je crois que je suis resté trop longtemps, j'ai mal calculé mon temps là, on va voir. Ah bah non, 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 j'y étais presque encore une fois. Aïe. Bon, pas grave, on va le refaire. Bizarre ça, j'avais calculé un autre type de temps. Bon, de toute façon là on a perdu que 15 rubis dans l'histoire. Si mes calculs sont bons cette fois-ci, on devrait pouvoir gagner plus de rubis. Le temps de la vidéo sera un tout petit peu plus long, c'est pas grave. Mais j'aimerais récupérer ce quart de cœur vite fait avant de terminer, ce serait bien. Aïe. Voilà, normalement ça devrait être bon là. Attention. Ça c'est bon ça. Ça mon pote c'est bon. 92 fois combien? Oh, au dixième de seconde près, tête de mulet. Pardon, mais je suis un authentique sur le philophile. Sur le philophile, mais ça veut rien dire. Je ne peux pas rester de marbre face à un tel exploit. Et voilà, x3. Comme vous pouvez le voir, on a rentabilisé largement le jeu. Mais c'est un record, tête d'enfort. T'as compris le truc, on dirait. C'est la première fois que quelqu'un fait un score aussi élevé, tête de pied. Tiens, c'est pour toi, tête de bois. Et voilà le dernier fragment de cœur qu'on va récupérer pour cet épisode. On va aller récupérer... Enfin, on va aller récupérer... Non, on va aller voir une girouette pour sauvegarder. Comme vous pouvez le voir, au niveau de mes cœurs, j'en ai un de plus. Ah bah tiens, vite fait. Maintenant... Ah bah non, ça va être un peu long. Oh, puis si, on va le faire. On va donner les 3000 rubis. Allez. Sauf que ça va être long, donc je vais vous mettre ça en accéléré. Voilà, juste avant qu'on termine l'épisode. Allez, on se retrouve après ce long accéléré pour donner les 200 derniers rubis. Et attention, on va voir qu'est-ce qui va se passer. J'ai beaucoup grandi grâce à toi. Laisse-moi t'offrir ce flacon. Puisse-t-il t'être utile dans ton périple ? Et voici le dernier flacon du jeu. 3000 rubis. C'est un objet qui coûte très très cher. Ok, elle me donne un peu de vie, c'est gentil à elle.
Donc oui, pendant l'épisode, j'avais dit qu'on lui donnerait les fameux 3000 rubis plus tard parce qu'on allait économiser. Sauf que comme vous avez pu le voir au niveau du jeu, juste derrière, on a la possibilité de récupérer pratiquement 300 rubis hein, dans le jeu si on a bien le timing. Et vu que j'ai bien le timing, tout va bien. Ce que je ferai, c'est que pour le prochain épisode, je ferai un petit accéléré avec le passage où je vais récupérer pas mal de rubis parce que ça va nous servir. Voilà, sauvegarde terminée. Eh bien écoutez les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. J'ai longuement joué au baseball. Là au total ça fait une heure que je joue parce que 25 minutes ou une demi-heure, je ne sais déjà plus, première partie de baseball. Une demi-heure cette deuxième partie. Voilà, ce huitième épisode ou ce septième, je ne sais déjà plus. Ce huitième épisode, voilà, c'est le huitième. C'est un long épisode, bien construit, avec beaucoup de choses dedans. J'espère qu'il vous aura plu. Je suis en train de regarder le monstre là-bas. C'est bon, il s'en va. Bref, sur ce, portez-vous bien et à bientôt. Ciao !